Non, non, j'avais un peu mal au dos en fait, donc je me suis mis sur mon rocking chair. Tu peux pas avoir mal au dos sur un rocking chair. C'est trop bien les rocking chairs. C'est le stream du dimanche, on est pépouze, on est bien, voilà. La map est très bonne. Le jeu est très bon, hein. Ok, il faut juste comprendre ce que c'est comme jeu. J'ai l'impression en fait de devoir faire le travail de ces abrutis de journalistes, à devoir expliquer ce que c'est comme jeu. C'est pas un FPS, c'est pas un GTA, c'est un RPG. Comme avec Godfall, où les gens n'avaient pas compris que c'était un hack and slash. C'est ouf quand même de devoir expliquer tout le temps ce que c'est le jeu, putain. What? Il y a eu un host ou quoi? On était à 110 viewers, on a 171 là. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un host, non? Bonne action et d'être payé pour ça. Il va falloir sauver quelqu'un des griffes des Tiger Claws avant qu'il finisse un petit morceau. Ça te dit? Les détails en pièces jointes. Me force pas à redemander. J'ai l'écran incliné comme ça. Il réside donc aucun problème, j'ai l'écran. Bon, on vient de se réveiller. Ah oui, non, les gens se réveillent, effectivement. Ok. Eh ben écoute, bonjour Asaka. Bonjour tout le monde. J'espère que vous passerez un bon dimanche en ma compagnie. Alors, titre de contrat. C'est une affaire urgente. Mon client, Massidu College, que tu connais peut-être grâce à l'émission Boxaton. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Pour accès au clavier ou souris. Oh là, j'ai accès au clavier là. Bon, je fais juste le petit S5, tu vois. Je suis en mode, la vidéo tourne, mais sans aucun son, je me fais du rangement. Tu pourrais un peu le comparer à Watch Dogs. Alors, sur l'aspect hacking, oui, mais j'ai pas joué au dernier Watch Dogs. J'ai joué par contre au premier. Au premier, c'est comme pas au deuxième. J'ai joué au premier. Et le problème dans Watch Dogs, c'est qu'il y a... C'est Watch Dogs sur certains points, mais... Oh, merci pour le follow, Vixen. Bienvenue à toi. C'est pas un site porno, Vixen? Je crois que c'est un site porno. Welcome. Je l'avais vu sur Pornhub, je crois. Ne pas donner l'alerte. Facultatif, se rendre au dojo des Tiger Claws. C'est un truc porno, Vixen, je suis pas dingue. Alors, attendez, hop. Donc ouais, sur la partie hiking, un peu Fraudus. Mais c'est pas... En fait, en gros, imagine que c'est Watch Dogs en étant Skyrim, en étant Destiny, en étant tout. Parce que tu peux jouer comme tu veux. Tu peux jouer effectivement en full hacking, ou tu peux jouer en full cac, ou tu peux jouer en full gun. Enfin, tu fais ce que tu veux. C'est un RPG. Watch Dogs n'est pas un RPG, par exemple. Watch Dogs, c'est un GTA-like. C'est un action-aventure. GTA Like est un action-aventure, d'ailleurs. Hop là. Là, on est sur un RPG. Mais World, c'est un nouveau RPG, ça n'a rien à voir. Non, 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 surtout pas, Katon. Surtout pas. Sur PS4. Surtout si tu peux attendre, tu vois. Clairement pas. Ils sont en train un peu d'améliorer la version PS4, mais bon. Faut pas s'attendre non plus à des trucs fous, tu vois. T'as quoi en PC, Katon? Après, ils tombent pas si mal sur PC, hein. Même sur ah, pas sur une Game Boy, mais sur un vrai PC, genre un PC risqué, au hasard, ils tombent très très bien. T'as quoi en matos? Bonjour, Quentin du matin. GG pour ton sub. À ce point-là, Katon? Comme tu sors. Mais c'est vrai que ça, si t'as une bonne connexion, tu as aussi GeForce Now. Et ça, là, ça tournera impeccablement. Hein. Ou carrément Stadia, c'est en 4K. D'accord, ok, ouais, ok, il tournera pas. Est-ce que t'as la fibre, ou au moins VDSL, Katon? VDSL et ou fibre, et c'est bon, tu peux y jouer. Je vais pas les tuer, les mecs font les travaux. Je vais pas commencer à buter les mecs qui font les travaux, par contre, je les endors. T'as réussi récemment? Parce qu'en fait avant il y avait effectivement une limite. Après si t'es... récemment justement ils sont un peu overbook avec Cyberpunk. Ça cartonne d'ailleurs. Hein. Mais c'est au coup de persévérer, Katon. Au pire t'as Stadia. Mais après par contre Stadia, le problème c'est qu'il faut acheter le jeu sur Stadia. Pas récemment. Allez, alors, il y a quelques mois il n'y avait pas le pack fondateur. C'est dispo depuis juin.
Ok, d'accord. Eh merde. Il s'est cassé la gueule sur son pote. Lol. Ok. Alors, voyons voir ça. Il y a un truc qui m'a vu là. Point d'accès. Je comprends très bien que... Oh! On est niveau 16. On va pouvoir aller faire la quête de la main. Alors, mais je comprends pour Stadia, parce qu'il faut acheter les jeux et tout dessus, donc je comprends très bien. GeForce, n'oublie pas que t'as ton jeu chez toi. Hein. Yes, les gars, on est niveau 16, ça veut dire 10 Intel, ça veut dire qu'on va pouvoir aller fusionner de la main. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça c'est trop stylé. Par un piratage rapide. Non. Attends. Les piratages, je crois que le piratage. T'es vrai, les mains. Je l'avais pas déjà pris ça? Sur le réseau. C'est quoi la différence entre ça et ça? Je sais pas trop. Et là, qu'est-ce que je peux prendre sinon? Tranquille, Katon. Fonce, GeForce Now, tu vas voir, ça va être l'amour. C'est beaucoup d'amour, GeForce Now. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. On va augmenter les dégâts avec les attaques puissantes, j'en fais pas mal, et c'est vrai que ça fait vraiment mal, en vrai. Bonjour, Asman. Bonjour à ceux qui se réveillent. Wow. Ah, c'est la caméra. Vas-y, reste tranquille, la cam. Ok. Découvrir ou être détenu, Ro. Ouais, on le cherche, hein, écoutez. Hein. Déjà, le mec s'appelle Ro. C'est pas ouf. Pas ouf comme nom. Ah, bon. Je crois qu'on me cherche. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on me cherche. Hein. Je crois que j'ai déjà peu cul. Hein. J'arrive pas à trouver l'entrée. Bonjour Daxfin, comment ça va? C'est quoi ça? Ah, là-bas peut-être? Oh, il y a un truc là. Pas de soucis. Point d'exclamation, GeForce, ok, pour ceux qui sont curieux. J'ai une vidéo là-dessus. Yes, se connecter. Et vous voyez là, le fait d'avoir de l'Intel, j'adore mon build réflexe Intel. Je kiffe. C'est pas un build OTI, c'est un build fun. C'est-à-dire que ça répond en fait à mes besoins, vous voyez. Pirater tous les PC que j'ai envie de pirater, avoir toutes les réponses en termes de dialogue que j'ai envie d'avoir. C'est vraiment un build fun, le build Reflex Intel. C'est vraiment un truc qui correspond. Après, ça correspond, vous voyez, à ma manière de jouer, quoi. Ah putain, j'ai pas assez de mémoire tampon. Faudrait vraiment que ça, faut que j'upgrade. Faut que j'aille voir un shark dog pour améliorer ma mémoire tampon. Parce que là, si j'avais eu 5, j'aurais pu faire le 1 et le 3. Là, je pourrais pas. Là, je ne pourrais pas. Bonjour, Nidhi. Pour là-dessus, Nidhi, eh ben écoute, j'ai une vidéo qui sort sur les écrans le week-end prochain. Mais globalement, non, une 3080. Ou l'équivalent. Ah, on a un peu de thunes, là. On a un peu de thunes, on est pas mal là. Et si tu veux savoir le pourquoi du coup, Moxidi, Oniji, excuse-moi, il faut être là pendant les hardware time. Pour l'exclamation hardware, on gardait le calendrier. Hardware time, tous les vendredis de 20h à 22h, en moyenne. Attends, qu'est-ce que je peux faire d'autre sur le PC? Peut-être d'autres trucs à faire dans les combats. Joe the Reaper contre Miyagi the Bull. Ok, réseau local. On va le désactiver. Prise de contrôle à distance. Ça c'est bon. Oh, j'avais pas vu la thune là. Bah je sais, Bouya, c'est mot pour mot ce que je viens de dire, si t'as pas entendu. Hein, qu'il faut que j'aille upgrade mon truc chez un Sharkulok. Je ne peux que être d'accord avec toi. Bon, il est retenu où, Ro, là, putain. Il est où Ah, bonjour. C'est quoi, c'est une caméra? Ah putain, c'est la caméra qui a eu le temps de se réveiller. Ah, j'ai désactivé, pourtant ça n'a pas de sens.
Non mais... C'est où ça? Ah! 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 On a un truc là. Et vous voyez, l'Intel aussi, c'est vachement bien pour avoir du pognon, quoi. Avec ça, je peux tout pirater ici. Putain, si seulement j'avais de la mémoire tampon, je serais riche, bordel. Je serais riche. Oh là, oh là, là, je peux faire les 4, là. Ok, attendez. Là, je sais que je me concentre bien, je peux faire les 4. Si je commence sur le 1C, ça va décaler, donc, celui-là. Il me faut un 1C. Pourquoi ça n'a pas marché? Putain, je comprends pas. Je pensais que ça avait... Ah. Encore plus de mort. Ça, ça me perturbe toujours, ça. Pas. Tu vois que j'ai le 3 et le 1, c'est déjà sympa. Ok. Y'a quoi ici? Ah, ok. Ah, c'était une autre entrée en fait. Après, c'était une entrée où il fallait de la... Oh là. Ok, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça va se fight. C'est une caméra ça? Elle est déjà désactivée. Okay. Bonjour. Au revoir, fais dodo. Tiens d'ailleurs, avec vos conneries de ce matin là, les gens trop généreux sur ce fucking stream, vous savez qu'on est à 454 subs. J'ai pas, faut que je les réaffiche, mais on est à 450 subs. Merci à tous, merci beaucoup. Et je vous dis, on est à 30 T3 et 25 T2. Pff, une folie, merci encore. Je viens de voir en fait, parce que je regardais pas à gauche, c'est tout du chat, je regarde pas forcément le nombre de viewers ou autre quoi. Ouais, non, là, ça sera baisé. Attends, quoique... Non, 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 non. Il faut le 3, il faut le 3. Dete koyo. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Dete koyo? Quelqu'un qui parle jap ici? Ça veut dire quoi, Dete koyo? Dete koyo! Oh là! On va se baisser, hein. Voilà, teuf. Ok. Et coucou! Hop là. Alors, comment il va, Ro? Est-ce qu'il est en forme, Ro? Oh, les piques, attendez. Ouais. C'est moi. On m'a engagé pour te faire sortir d'ici. Je sais bien, Doxine, t'inquiète pas. J'explique, c'est un RPG, c'est pas un GTA-like. Hein. Ah merde, attendez. J'ai plein de merde sur moi. On n'est pas à Weebland. Ah bon, merde. Quête de Delamain, ça veut dire... Ouais, on y va. Attends, je finis le contrat. Évidemment qu'on va aller la faire à Quête de Delamain, mec. Je kiffe. Tellement bien ce jeu. Je sais bien, Doxine. Je sais bien. Wouh! C'est quoi ce couteau? What? Attendez, 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 attendez. Attendez, 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 attendez. C'est quoi cette histoire-là? Par contre, il fait moins de dégâts physiques, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Il y a une sas que je dois pas comprendre, là. GTA, c'est un action-aventure, pour le coup, effectivement. Pas un RPG. Mais là, c'est même pas un action-RPG, c'est un pur RPG, ce jeu. Hein. Attendez, attendez, attendez. J'ai un katana. Ah non, j'ai un katana légendaire. Que je comprenne bien le couteau, là. Il est plus rapide, c'est ça? Quel truc de jap? Tete koyo! On est vrai, c'est ça, c'est tout à fait vrai, Doxine. Il y a très très peu de... Attends, je commence à faire un peu frais, deux secondes. Je commence à me les geler un peu, là, parce que j'ai ouvert tout pour aérer. Mais là, résultat, il fait un peu froid. Alors, mais c'est vrai que des RPG purs et durs, il n'y en a pas des masses, tu vois. Vous voyez-le plutôt comme un Skyrim futuriste, là-dessus. Ou un Outer Worlds, aussi. Genre le truc, tu vois. Sort de là. Ah, ça aurait du sens, pour le coup, Sanimis. Ça aurait du sens. Là, dans le cas actuel, on va essayer le couteau, juste pour voir. Je préfère le katana, je trouve ça plus classe. Oh, j'ai du nouveau stuff aussi, attendez. Oh. Oh, putain, une casquette. J'aime pas les casquettes. Salut, Sky.
Il est vraiment génial le jeu, hein. Sincèrement, c'est... Moi, je suis totalement... Ah! Petit masque à la Ghost of Tsushima, stylé, stylé. Ouais, ça a la même gueule pour le coup, mais bon. Chemise classique. What? Mais non, mais je l'ai pas... Ah, je l'ai pas équipé. Oh mon dieu, c'est dégueulasse! Non mais c'est pas ça que j'ai eu, attendez, j'ai pas mieux que cette merde là? Oh mon dieu, c'est de pire en pire. Salut Furious! Mais oui, mais vive les Rocking Chairs. Oh mon dieu, mais je ressemble à... Oh je... Oh, j'ai pas les mots. Oh, c'est de pire en pire. Oh, c'est de pire en pire. Oh mon dieu. Heureusement qu'ils ont enlevé la stat de Street Cred, hein, parce que sinon j'étais foutu les gars. Je vous le dis, j'étais foutu. Hein. Ah, un marteau! Pour Izzy ça. Canabo. Detekoyo. Detekoyo, ok. Voilà pourquoi c'est en FPS. De ouf. De ouf. Mais tellement faut que je rentre que j'aille vendre l'autre. Tu vois, j'ai l'habitude d'encaisser. Dis-moi quand. Et je te suis. Ok, lève-toi. Ça me va. Merde, je me suis pris le bouton. Écoute, si jamais il nous tombe dessus, je pourrais pas t'aider. Du moins, pas dans cet état. Je m'en occupe. Ah, c'est pour ça qu'on me paye. Je crois que c'est annulé Razaka, mais tant mieux. Ah, je me suis fait mal. Ma fainéantise m'a fait mal. En fait, je pense que... Je sais pas, hein, Razaka, mais... Si c'est pas annulé, moi j'espère qu'ils l'ont annulé parce que tu peux pas avoir, à la fois avoir un bon stuff et être crédible, tu vois. Alors, soit j'ai raté la street cred, dans ce cas, je ferme ma gueule. Mais moi, j'ai pas vu en tout cas. Mais je pense qu'ils l'ont annulé parce que... Tu vois, là le stuff que j'ai, c'est la meilleure armure que j'ai. Sauf que c'est dégueulasse, tu vois. Je m'en fous parce que j'ai envie de survivre. Ce qui est important, tu vois, j'ai envie de te dire, ce qui est important, c'est ce que t'as dans le cœur et parce que, voilà. Et ce que t'as dans la tête aussi. Mais voilà. On va essayer le couteau quand même pour voir. Ah ouais, c'est... Les animations sont tellement bien faites. Tu viens, Ro? Ok. Ah bah, autant sur... Après, oublie pas que c'est toujours toute la DLC résille. Hein. La DLC, ils se conduisent comme des enculés comme Monopole, hein, écoute. Hein. Il est où, Ro? Allez, mon pote. Ah oui, il est pas en forme. La crédibilité de rue. La street cred, quoi. Allez, Ro. Attendez, comment ça, il y a des Ro à sortir? Non, mais... Ah merde, parce que je suis pas sorti par l'entrée principale, ça fait bugger. Mais non. Vous avez rien de mieux à faire. Allez, Ro. Attendez. Ah, je crois qu'il a pas aimé... Je crois qu'il a pas aimé que je sorte par une autre sortie, j'ai l'impression. Ah putain. Au pire, fuck it. Écoutez, moi je suis passé niveau 16, je m'en bats les couilles de roue. Allez! Ah, c'est bon! Ah, je sais. C'est bon, pas besoin de mais me remercier. Je sortais, mais voilà. Ah, mais ouais, il était un peu kéblo là. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, il était un peu kéblo Jean-Michel. Hein. Escorté rouge que véhicule du fixeur, yes. Il était pas en. Voilà. Bon, après, c'est qu'il est pas en forme. Hein, je te le confirme, il est pas en super forme. Je te valide ce point-là. Mais il galérait encore plus, quoi, tu vois, à sortir. C'est ça. Sacré Spiri, c'est la quoi Spiri? Certes, c'est impacté. Ah, je sais pas. Merci. Je sais pas exactement de ce que j'en ai compris, moi, là, à l'époque. Attends. J'en doute pas. Au fait, salut Valia, je te laisse prendre la place à l'ici. Pour me faire sortir. Désolé, je peux pas te le dire. Secret professionnel. Ah, arrête. Les mères qui ont un code de l'honneur maintenant. Mais tout à fait, monsieur. Je lui ai rien fait. Ah, oui. Je l'ai sauvé justement, il se faisait ouais, tabasser. Réglo. Te laisse pas bouffer par cette ville.
Et si elle finit par... Putain, ça va tellement mieux par contre là dans Rocking Chair, j'ai plus tout mal au dos, le point a disparu. Hein. On va re-streamer ça, j'étais un streamer Rocking Chair les gars. Vous êtes pas prêts. Hein. Mesdames et messieurs, premier streamer Rocking Chair de Twitch. Donc j'ai rien fait, je l'ai sauvé au contraire, je veux dire. J'imagine que je m'attendais à autre chose. What? Comment ça? Plus de discrétion, par exemple. Ah merde! La prochaine fois, fais un effort, ok? Contrat clos. Ah oui, parce qu'en fait, je me suis fait repérer. Mais c'est facultatif, meuf! Elle m'engueule alors que c'est un objectif facultatif. Et donc, en gros, le but de la street cred Sanimis, c'était en gros de modifier selon ta qualité de rue, ton interaction avec les PNJ, dans les dialogues, etc. Le souci, c'est que ça avait aussi un rapport avec ton physique, avec tes fringues, etc. Et dans un RPG, ça peut être très bien. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où le bon stuff, il est dégueulasse, bah... C'est compliqué, tu vois. Et faire un choix là-dessus n'a pas été forcément très, très prenant. Ok, alors là, on va aller faire une quête qui est assez fantastique. Faut savoir qu'on entretient une relation. C'est quoi ton problème ? Ok. Il y a des éboueurs qui ont essayé de me tuer. Alors, je vais zoomer un peu. Deux secondes. On va zoomer un peu la cam. Salut Jitsu Tero. Pourquoi les éboueurs ont essayé de me tuer? C'est ça hein. C'est mieux comme ça? Bon bah peut-être un peu mieux. Et normal quoi. J'ai rien fait moi aux éboueurs, je trouve que c'est un métier alors dur mais tellement fantastique. Je vous soutiens les éboueurs putain. Tu triques correctement, pas des masses. Bonjour Glouglou. Alors, ils ont vu ton gilet orange, c'est ça. Je suis en casque, je dis sous terreau, tout à fait. Tut tut, fils de pute. Pour ceux qui ne connaissent pas, mettez le clip, hein, je n'insulte personne, hein, promis. Bref, donc en fait, j'ai fait donc toute la suite de quête avec de la main. Je trouve vraiment la suite de quête absolument passionnante, parce que ça fait un référence en fait à quel point l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle prend conscience, et donc en gros de l'impact qu'elle peut avoir, en gros... est-ce que vous voulez que je vous explique? Pour ceux qui n'ont pas suivi la quête de la main, est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu? Parce que là, on se dit là, on va aller clôturer, je suppose, la quête. Et en fait, il y avait trois choix possibles pour la clôturer. Il y en avait un auquel je n'avais pas encore accès parce que j'avais pas assez d'intelligence. Donc j'ai monté mon intelligence. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je joue réflexe intelligence et voilà. Est-ce que vous voulez un petit brief? Merci, Gistoutero. Est-ce que ça intéresse un petit brief ou vous êtes déjà tous au courant? Vous me dites. Je vous fais un petit percaster si vous voulez. Si vous êtes déjà au courant, on ne perd pas de temps et on va la faire direct. Oui. Ça vaut le coup. J'ai pas fait gaffe à Sarazaka. Après, j'avais pas tout suivi. J'avais surtout suivi le type de jeu et les promesses techniques, etc. Quoi. Et bonjour, je suis un geek, je t'avais raté, désolé. Je t'avais par terre. Bon, personne ne veut de détails, donc je suppose que c'est que vous avez dû suivre. Vous êtes tous en armée. Dans tous les cas, go faire la quête. C'est parti. Hop. Alors, Don't Lose Your Mind, ça va être trop bien. Et voilà, je trouve vraiment cette suite de quête passionnante pour l'instant. C'est une de mes préférées dans les quêtes annexes. Clairement, le rapport à l'intelligence artificielle et la prise de conscience que peut avoir celle-ci. Est-ce qu'on peut parler d'un être conscient à partir du moment où ce n'est pas un être organique, mais qui a une prise de conscience, même si c'est sur un être numérique? Et c'est exactement ça dont ça traite, et c'est très bien amené. Enfin, moi, je trouve que c'est vachement bien amené. En tout cas, c'est parti. Vu la gueule du jeu et vu le succès du jeu, on aura un multijoueur en 2022, mais on aura très certainement effectivement les extensions. Hein. Quand tu vois la gueule de ce Witcher 3, la gueule des extensions de Witcher 3 en bien, en positif. Hein. Bon, c'est pas grave, Furious. Il sera fantastique sur PS5. Hein. Il est déjà correct actuellement sur PS5. Pour des raisons assez étonnantes. Et il sera fantastique sur PS5 aussi, hein, faut le savoir. Elles sont géniales les consoles. Hein. Ah les freins, putain, je freine depuis tout à l'heure. Hein. Le freinage est vachement réaliste. Hein. Mais le résultat, il est super dur. Oh oui. Oui, je veux ça. Oui. Vie, je t'apporte de bonnes nouvelles, non plutôt d'excellentes nouvelles. J'ai une Quadra Avenger à vendre. Tu vas voir, c'est une putain de bombe. La peinture, l'intérieur, les ronflements du moteur. Rien que de la regarder, ça me fout à moitié la trique. Oui, moi aussi. Et j'ai même pas honte de le dire. Quelqu'un qui s'essaierait à l'acheter. Oui. Oui. Comment?
Elle veut combien? Ça coûte combien? Combien? Oui. Je suppose que c'est tous les streamers ont dû acheter ça. Je m'en bats les couilles. Je suis un mec comme tout le monde. Elle est où? Combien? Elle est où? J'ai acheté. Franchement, elle est pas stable. Elle patine comme jamais. 55 000! Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Oui, mais après, ça c'est normal, Razaka. C'est une américaine, quoi. T'as jamais connu l'américaine. J'ai une Mustang en 2018, Razaka. Aïe, aïe, aïe. T'as tout en propulsion, c'est fantastique. Faut juste être habitué à compter la propulsion. En tout cas, il y a rien. En jeu, je sais pas ce que ça va donner, mais. Ouais, 55K, j'ai pas la thune pour l'instant. Vous connaissez les connards qui klaxonnent dans les embouteillages? Pour le coup, c'est pas moi, je klaxonne jamais IRL. À part sur les fils de pute, mais jamais dans un embouteillage, pour le coup. J'ai jamais compris, pour le coup, là. À quoi vous pensez que ça sert, les mecs qui klaxonnent quand ils sont bloqués, hein? Allez, avouez dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui le font, hein? Moi, je peux le dire, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Je ne comprends pas l'intérêt de klaxonner quand t'es dans un embouteillage. Est-ce qu'ils pensent vraiment que le klaxon va faire avancer les gens plus vite, hein? Par contre, je klaxonne, vous voyez, quand un truc m'a fait peur. Genre en mode. Quelqu'un qui débarque au dernier moment, en mode, je suis en mode putain, fils de pute! Et jamais dans un embouteillage, par contre. J'ai jamais compris l'intérêt. Hein. Ah, tout le temps, easy, hein. C'est un délire. Genre, t'es dans une rue, tu vois, c'est bloqué et tout. À la limite, toi, ça peut avoir un intérêt de klaxonner. Genre, quand t'as un mec qui est garé devant, qui a quitté son véhicule, tu vois. Et genre, tu veux klaxonner en fait pour l'avertir en mode, bah écoute, connard, on est bloqué dans ta rue, voilà. Ah, ça sert à rien dans le TH, ça sert à rien du tout. Bonjour Félekin, comment ça te pire? Merde. Désolé. Maintenant, ça me donne envie de le faire. J'adore ce jeu. Il est vraiment trop bien ce jeu, sinon. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce jeu, il est trop bien. Ah là 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 là, vous pourrez y vivre dans le jeu. Ce sera pas trop tôt et tu tout le monde. Non, j'ai les flics au cul. Par contre, j'ai l'impression qu'ils avancent pas là devant, tu vois, rien. Là par exemple, le feu est vert, mais là il y a l'IA qui bug là. Là il y a l'IA qui bug. Parce que là, le feu est vert et les mecs ont pas avancé. Là. Salut Zed. J'ai essayé de me conduire comme un citoyen civilisé et respectable. Et les mecs passent pas au vert aussi. Là. Ah, attends, on a une nouvelle caisse. Ça, c'est en mode, là, c'est quand tu veux te branler, ça. Ça, c'est quand tu veux te branler, ça. Une Alvaro dans parfait état. Ça, c'est quand tu veux... Ça, c'est les mecs des corpos qui veulent se branler, ça. C'est les corpos américains, ça, en mode redneck américain riche. Ok, c'est parti pour la quête. Cette quête va être géniale. Ok, je sauvegarde maintenant. Mais je tue pas les flics, moi, monsieur! Est-ce que tu m'entends? Ah, donc comme vous pouvez voir, on peut pas rentrer, heureusement. Est-ce qu'il y a des bons tuyaux? T'es sûr que tu peux te garer là? Ah merde, je gêne un peu, attends. Désolé. Attends, j'avoue. J'avoue, je gêne un peu. Désolé, 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 on va faire un embouteillage là. Voilà. C'est mieux. Attends, t'as vu la taille du trottoir? C'est fait pour se garer, hein? C'est quand même pas fait pour que les piétons circulent mieux, hein. Pas déconner, hein.